Voici le porte-bagages pour un Brompton de modèle petit. Le problème que j'ai rencontré avec ce porte-bagages-là, lorsque je veux l'utiliser pour un bagage standard de vélo, eh bien les tiges sur le côté sont plus nécessaires. La valise vient se déposer en avant et les deux barres ici sont suffisantes pour venir l'attacher. L'autre problème que je rencontrais aussi, c'était lorsque je voulais transporter des sacs à dos de plus de 30 litres, la surface ici n'était pas suffisante. Donc, pour régler ces problèmes, eh bien, l'option que j'ai faite, simple, j'utilise un Forêt 532 qui va venir retirer les quatre rivets qui maintiennent les tiges sur le côté. Alors, ce que j'ai à faire, c'est pointer au centre. Là, présentement, ils sont déjà retirés pour que la vidéo soit plus rapide. Mais je pointe au centre, je perce, barre en barre, je retire et le rivet va se retirer facilement. Par la suite, ce que j'ai à faire, c'est retirer les tiges. Elles se glissent comme ça. Rien qui empêche par la suite de les remettre aussi. C'est relativement assez facile de les remettre. Maintenant, ça règle mon premier problème. Puis ça allège aussi le porte-bagages. Je peux mettre ma valise standard dessus et la faire retenir par des courroies. Pour le sac à dos, eh bien le sac à dos, comme je vous disais, la surface est relativement assez petite lorsque je veux le faire retenir. Donc la solution, j'ai utilisé un récipient et puis avec une scie à fer, je suis venu couper la moitié de ce récipient-là. Pour maintenir le tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trous qui sont alignés de façon à pouvoir se faire attacher sur le porte-bagages. J'enligne ça, j'installe une attache rapide. Et la dernière, et non la moindre. Et voilà, c'est attaché, c'est solide. Il ne reste plus qu'à libérer les excédents. Et voilà la surface. Bien déposer, bien comme il faut, un sac à dos. Je dirais que moi j'utilise souvent un sac à dos de 30 litres, mais les sacs à dos aussi avec des diamètres plus grands peuvent suffire. Je dirais jusqu'à du 40 litres sans problème, tout dépendamment du diamètre de votre sac à dos. Il n'y a rien qui vous empêche de faire la même chose pour le modèle long de Brompton aussi.